tension, en pile coup de balle au niveau de Gressier. Si monsieur 103 Zombio, dans face carrière avec la police, nèg yo instauré un climat de tension au niveau de zone ça, côté coalition Vive Ensemble qui gagne là dans 103 Zombie qui a géré zone ça. Selon information, il y a plus de 75% nèg yo qui envahit zone ça net. Eh bien, nèg yo qui poussait environ ou alors plus que 20 000 moun obligé à monter descendre dans zone ça, chercher abri, aller Léogane ou bien faire route Mariani. Nèg yo fait zone Gressier à tourner en terre d'affrontement. La police sur place, mais son situation qui est extrêmement difficile côté depuis hier. Il y a un pile coup de balle capturé et c'est seulement motocyclette qui a une possibilité de passer à toute vitesse dans une série de segments au niveau de zone Gressier. Côté Negio, pas bye population, mes amis, pour tal font si rafraîchi là, puisque nous connaissons en Haïti dans le moment ça. Et c'est l'homme elle doué parce que le fait chaud en pile, parce que c'est la saison de l'été. Bon, mais Negio là, yo instauré un véritable climat de tension, de terreur au niveau de zone Gressier. Côté nous toujours dire que zone Gressier ça, c'est pratiquement une coalition qui gagne tout gang net la donne. Et puisque l'autre bois là, gagne. Moun ke Katsema Ozo voye, genye moun ke Vite l'homme voye, al bataille nan Gressier, genye de soldats, qui sorti nan Kantilapli, nan Kan Krisla, nan Kan, Nek Badel Mayo, donc ça veut dire, coalition bien chita au niveau de Gressier. Qui fin tourne, un véritable territoire perdu. Maintenant, la question, est-ce que autorité yo, a privé libérer, Gressier rapidement? Parce que ouais, terrain li extrêmement difficile puisque nèg yo getan tellement entré dans tout petit couloir et yo fait yon seul avec et ti rest nan population qui quand même rete parce que gen yon réalité que yon pile nan nou pa konnen. Actuellement la gon série de zones côté bandi occupé, côté nèg yo tellement bien accommodé avec moun yo non seulement semble même fort ou pa gen droit parler bola kayo, mais moun yo tout yo pa gen droit sortir. Ou bien si moun yo a sorti bola kayo, moun yo gon jan yo fait ça, yo pa ka sorti par pile, yo pa ka sorti avec meubio parce que depou ta fait tentative pou sorti avec meubou pa l'on côté, bandi ap getan vini pou di ki kote ou pralé là et ou passible de sanction. Et sanction gen wa se kwa bou bay, sanction gen wa son bal ou pran, sanction gen wa se kay la ou boulé. Donc ça veut dire que en pile fois que nous moun yo rete nan zone yo malgré le fait que bandi occupe espace là, c'est parce que moun yo sous pression. C'est parce que gagne l'autre qui baille pour pas quitter moun yo, quitter zone yo, beauté aller en l'autre côté. Donc c'est nèg yo très intelligent puisque nan jan nèg yo prend moun yo là, c'est utiliser moun yo comme des véritables boucliers. Donc en pile citoyen au niveau de Gressier, pas caché inquiétude yo quant à capacité pour gouvernement le même gagner pour le ta résoudre problème ça. Côté Gressier tourne un véritable territoire perdu et c'est presque gros la trouble chaque jour et côté gon véritable jouet chatak sourit qui a fait entre la police et gang yo. Le gang yo sous la rue tout près commissariat nèg yo même entré yo prend mon ou bien yo prend bol en main. Mais lorsque la police lui-même font ti déplacer puisque la police lui-même c'est dans Charlier, il pas qu'à occuper et commissariat. Donc Charlie même gade le faut le déplacer. Faut que négio al approvisionner yo. Mais là ça arrivé. Automatiquement, bandi yo reprend contrôle tout près commissariat, commencer faire photo, monter que monter descendre et montrer que yo gain contrôle espace là. Donc jouet chatak sourit ça, li pas suspend au niveau de Gressier, si bien que gagne yon parti dans la population qui était malgré tout, mais qu'a posé cette question sous possibilité que gouvernement ça a gagné pour le ta résoudre crise ça puisque Gressier tourné en véritable territoire perdu et ça a presque gagné yon mois. Mais qui j'en situation été présenté dans Gressier dans cadre du reportage de Confrère nous dans Radio Caraïbe. Dans commune Gressier semblait y a metté dernier mais là pour finir à tirer cela puisque d'après information yo il y a à peu près 20 000 femmes et garçons qui n'ont couru après dernier poté bourré théoricio capagi d'ailleurs en bas de Naroué premier contingent force multinationale pour t'a dit présence mission ça sous terrain
pas dit nèg ak zam yo anyen malgré nomination yon nouveau chef nan tèt PNH la ki poko ka mete pye a tè plus passé 2 semaines après installation Normil Rameau ki te nan commandant déjà. Combien de temps population a ka rete tan encore côté yon bonne famille a dormi à la belle étoile rêver tourner la caillou et qui vraie mission force multinationale là. C'est question yon latrier compatriote qui dit yon poko wè aucun signal. Pouvoir d'affaire. Maintenant nous même nous gen désaccord total avec CPI tout et gouvernement Garikonia parce que nous même nous pas comprendre que jodi a pou pa gen aucun signal qui voye. Parce que non seulement faut nous ta goumen pour nous résoudre problème de sécurité avec mission Green là ou on vient danser la lose dans n'importe là et ben au lieu moun ça porter la main faute ba nous c'est la lose vient danser au content par rapport au balle de deuxième $300 américains par jour et sans oublier sous pendant rentrer là ou on continue à prendre commissariat il a craser université maintenant nous même à travers Ospo nous ba gouvernement 72 heures de temps pour un signal fort pour le voir ba population de manière à ce que pour nous montrer que la travail et c'est pas seulement catégorie ça qui dit au pas clair ni à en bas la ville qui toujours semblé à qui un espace mauvais temps sur frapper ni dans Tirivière la Tibonite et ben a tout fait examio toujours garde à vous alors que dans commune Gressier jouette là a vinn pibo sale d'après jeune fille ça qui chapé pour lui seulement avec un petit bébé en babral nous après investiti Normil Rameau situation il vinn pi mal il vinn pi du dans commune Gressier côté moment on a parlé là il y a plus monde qui courir qui était caillou que premier attaque nèg armé ont fait dans commune Gressier. Nous gagnons dans zone Santo, gagnons plus que 20 familles qui victimes d'ailleurs. Côté que nèg yo entraînant plus que 20 caillou tué moun yo. Pour qui raison nous pas connait fizye yo et puis marché poste yo. Pour qui ça est-ce que c'est population qui la cause si sa population en fait ti moun kouri ak ti moun piti nan bra yo sans destination, pas konn côté yo bralé. Cri famille sa yo pas piti du tout. Dans oreille responsable sécurité publique yo qui d'après yo pas ta doué nan tete lang a ka tou fè exam pas doué gen négociation ni amnisti non plus pour ken vagabond qui prend yon malin plaisir nan bwè san innocent sans pièce considération est-ce que gen volonté pour combattre sa gen la et pour qui ça tout traîne pied sa yo jusqu'à maintenant nan processus pour sortir Haïti nan kaoua question ka pose mais en attendant Docteur Ulysse Jean Chenet a exprimé préoccupation. Pour qui ça depuis date ça pour que monde qui connaît plan opérationnel et force multinationale là côté plan d'action côté feuille de route là eh bien si nèg yo venir travailler yo venir travailler eh bien il faut que yo travaille pour yo travaille faut un plan d'action faut un plan opérationnel qui élaboré mais jusqu'à présent pas gen monde qui connaît qui ça gen dans plan. La population ne peut pas attendre encore. Yon déclaration qui pas trois département ak position Esaïe Bouchard, Bolivar Janderson qui fait konnen li tan pou autorité actuelle yo passe à l'action. Pas gen tan encore. D'après compatriote sa yo qui même bay yon date limite pour CSPN nan agi. Sinon d'après yo, même bâton qui te bat chien noir a bat chien blanc. Que faut que l'État lui-même, à travers CSPN, prenne de responsabilité pour permettre que les gens vacuent l'occupation. Si on pas capable, c'est dommage. Nous allons lancer une alerte, nous allons lancer une mise en garde pour nous dire CSPN avec CPTA. Si on pas capable de sécurité, permettre que les gens vacuent l'occupation dans les 90 jours qui viennent. Le ça nous pense population lui-même, il pral tirer le son, il pral établir pour demander gouvernement à CPTA quitter pouvoir parce que yo pas la capacité, yo pas capable. Dossier corruption au niveau du ministère des Affaires étrangères. Nous apprenons que l'ULCC li attendé Jodian, directeur général ministère Affaires étrangères là qui relait Azad Belfort ensemble avec de l'autre responsable et affaires consul qui c'est Wiskin Guerrier sous corruption détectée dans diplomatie haïtienne enquêteur ULCCO
yo actuellement là peut collecter des données pour yo capable garder qui gens ça y est et dans diplomatie haïtienne non, selon information que Metrodome lui-même lui rapporté dossier corruption dans diplomatie haïtienne non, sont véritable catastrophe on baille tête chargée et ces derniers jours selon Metrodome en pile chef de mission recevoir lettre yo et côté mandé yo faut que rembourser montant que dépensé sans yo pas gagner papier qui justifie puis le métronome lui-même dit que il disposait un autre vocal WhatsApp de un chef mission qui affecté dans un pays en Europe côté chef mission ça a demandé alors il demandait à un chauffeur pour que il fasse joindre des documents qui capable justifier dépenses qui était faite sous compte ambassade là donc c'est une demande l'autre son véritable panique son véritable séisme qui gagnait dans diplomatie haïtienne non et même diplomate ça qui était demandé chauffeur pour les bail papier là il était transféré en pile l'argent qui gagnait sous compte banque ambassade là pour le voyer sous compte personnel li. Donc son nèg qui presque prend code pour coulier là donc est-ce que changement ça yo qui gagne là est-ce que ambiance ça gagne là est-ce que travail ULCC a fait là l'a fait pour le compte de ministère affaires étrangères dans moment ça donc ça veut dire est-ce que c'est Dominique Dupuy qui t'a frappé ou bien c'est Gary Conille qui mandé pour le frapper ou bien c'est quelques éléments dans conseil présidentiel là qui mandé pour que le frapper mais ça était nécessaire à un certain niveau puisque depuis quelques temps là second côté yo parle en pile de questions corruption c'est dans diplomatie haïtienne là. Toujours un problème passeport qui pas délivré, toujours un problème l'argent qui détourné, toujours un problème montant qui détourné qui allait l'autre côté ou bien sous des comptes personnels. Donc c'était toujours en question de corruption qui arrivait dans diplomatie haïtienne. Malheureusement, c'est notre cas, corruption li tout côté mais un peu monde semble oublier parole ça. Des fois c'est premier pour là, mais pas quitter le crier. En bref, 40 migrants haïtiens qui étaient en route pour être entrés sur Turks and Caicos, ils ont porté disparu depuis avant-hier mardi aux environs de Cap Haïtien, bon, pas trop loin. Bateau qui t'a transporté moun sa été prend du feu dans une zone qui pas trop loin là-bas dit et survivants ont été jeune secours de garde-côte qui prend trois moun et alors il y a trois autres passager qui mourit l'hôpital, situation qui vraiment catastrophique et triste puisque ouais malgré tout ça que ni là il y a des monde qui continue à prendre en mer pour yo. Lionel Lazare qui lui-même pas joindre possibilité pour venir porte-parole adjoint PNH là encore, lui-même qui fait partie de Sinapoa et moins de 24 heures après que été installé li, certaines sources dans PNH ont évoqué des cas de corruption et que monsieur ta a fait même si pas gagné de communiqué officiel qui lié avec décision ça et bien Lionel Lazare qui pensait que le était fin bon Lionel Lazare retourné dans ton bois encore donc malheureusement pour monsieur le pape vini porte-parole adjoint matin m'ta de vous dire parler de ça que tellement gagne plainte qui déposé contre Lionel Lazare DG la police là Ramon Dormil t'es obligé retourner sous décision pour le ta installer Lionel Lazare comme porte-parole adjoint. Vous dites à parler de ça matin, on suit. Gagné, next on va parler de lui, non parce que monsieur pas un monde qui intéressé et Lazare ancien porte-parole et ancien coordonnateur Sinapoa syndicat jaune. La noter Lazare démissionné comme l'ancien Sinapoa. Parce que Lazare et Lazare ont fait une promotion là. Hier soir, ils ont installé Lazare comme porte-parole adjoint police là. C'est Michel-Ange Lujan qui porte-parole là. Ils ont mis Lazare porte-parole adjoint. Mais il y a plusieurs plaintes qui portent contre Lazare, notamment l'affaire passeport. Il y a des gens qui disent que Lazare a mangé Kobio dans l'affaire passeport. Il y a un Delma 33, il dit monsieur gagne bureau là, c'est là t'a fait raquette passeport. Et puis monsieur gagne bonne l'autre bagarre encore il reproche. Et par rapport à nomination ça, et monsieur pas qu'on lettre dans la main ni, même monsieur était installé. Et bien il est obligé rentrer lettre là. Là ça pas gagne lettre dans main encore. Et puis là ça pas vienne poste là tout. Monsieur pas porte-parole adjoint police là encore parce que monsieur gagne enquête cap mené sur lui.
pour ça que reproché. Ça veut dire donc que Lazare pas porte-parole police là encore. Et c'est pour ça qu'elle a démissionné dans le Sénapoa. Je ne sais pas si elle a tourné dans le Sénapoa, c'est lui-même qui est dans le Sénapoa. Je ne sais pas si elle a tourné là-dedans. Mais monsieur. Monsieur Papa va porter parole là-dedans. Il y a des organisations qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui ont porté plainte pour lui. Ça qui fait que yo et DGPN dans Mille Rameaux obligé à un gros bac. Si moun pas entré dans gendarme. PM Gary Koni annoncé que opération pral la ite koyo sous toute étendue de département Silayo d'abord l'ouest et l'Antibonite côté membre gang yo très actif ou même yo plus actif que tout l'autre côté. Quelques heures après que conseil de gouvernement te décrété état d'urgence sécuritaire sur 14 communes dans pays a PM Gary Koni te nan kanadon sa l'été fait connait que gang yo c'est moment pour que le tape yo hier mercredi après que t'ai dressé un bilan de action que bandi yo t'ai fait sous secteur qui a bay travail dans pays Gary Koni annoncé que la pral mettre en application des mesures qui décisives pour mettre gang yo nan rôle yo moi mandé avec PNH là ensemble avec police kenyan plus force armée d'Haïti pour yo commencer tipa avec déploiement et puis opération dans zone qui cible yo sous base plan que nous t'arrive établi déjà c'est Gary Koni qui t'a parlé que continue pour souligner que objectif global là c'est reprendre toute zone que bandi contrôlé actuellement là selon PM Gary Koni discussion continue à tomber entre la police nationale force armée d'Haïti ensemble avec police kenyan qui déployé dans pays dans cadre force multinationale là ensemble avec service renseignement ça qui capable permettre yo travail sur un plan pour yo bataille contre gang yo tout les gang yo c'est ça Gary Koni lui-même il veut faire passer comme message toutefois il admet que bataille là et bon bataille qui va le facile et il prend le printemps Gary Koni qui aller plus loin pour demander que population collaborer et puis engager lui bon côté la police l'armée et puis force multinationale là et puis éviter fausses informations que certains nèg bay sur réseaux sociaux des fake news qui pas bénéfique pour ça qu'a fait là et ça qu'a fait là c'est river mettre gang yo non position pour pas jamais nuire population encore bon ça veut dire que pas gain négociation zéro au contraire c'est zéro tolérance pour bandi parce que depuis qu'a ikoni commencé à entrer dans état d'urgence sécuritaire ça tout le dit tout que la police gain champ libre pour tuer nèg yo li gain champ libre pour faire opération et c'est un espace que Gary Koni ba avec un monde tankou DGPNH Ramon Dormil pour capable commencer mettre plan en application et comme si Ndadjo là Gary Koni prend Ramon Dormil et puis il dit mais boulou jouer qu'on y a là sous pas faire opération pas dit que c'est pas parce que pas gain des mesures qui prend c'est peut-être parce que plan pour qu'on finir élaborer ou bien tout ou pour qu'on récolter ou pour mettre en application ensemble de stratégie que la police travaille sur eux pour capable arriver sous gang. Donc à partir de cette mesure et faut dire que pas de négociation encore. Donc tout chef gang qui t'a demandé négociation, qui a tant de négociation, c'est pas dit me dit que pas de négociation du tout, mais ça qu'arrivé que pouvoir ou bien l'état, il commence à frapper, imposer la force avant que et il y a nécessité pour que permettre que li négocier avec des chefs gang. Parce que qu'on le veut ou non, mais en matière de géopolitique côté des guerres qu'a fait pays à pays, effectivement on toujours envisager de fenêtres pour être capable de dialoguer. Mais dialoguer à pas veut dire que ou suspend bataille. Si nous par exemple la Russie face à l'Ukraine, pendant Vladimir Poutine dit comme ça que lui ouvert à dialogue et monsieur continue à frapper. Pendant que Zelensky dit lui-même faut frapper la Russie, mais il fait qu'envisager là pour que li font un dialogue avec la Russie pour regarder comment on capable et suspendre sous guerre parce que la guerre elle est très coûteuse. Li à la fois coûter Zelensky, li à la fois coûter tout la Russie. Bref, c'est une parenthèse mais ça permet de comprendre que même si on bataille contre gang par Boris Tio, même si on commence à neutraliser en pile, mais gros côté privé, ça qu'a arrivé que on fait une sorte de négociation, un dialogue pour permettre au moins certains là d'ailleurs capable retourner en prison. C'est très simple. Et ça, c'est pas seulement en Haïti que le fait.
Deuxième bail qui est extrêmement important, PM nan, li vle passe en force. Mais maintenant, est-ce que 2500 et agents et mélangé avec des policiers et des militaires ap capable rétablir la sécurité dans deux départements sa yo? Nous sommes en 2004, te gen plus passé 10 000 soldats ensemble avec policiers. Alors qu'en 2004, la situation n'est pas vraiment difficile tant que j'en li jodi an. Donc ça, comment c'est, ça fait que jodi an situation empiré et que nous jouons seulement 2500 soldats avec des policiers? Donc ça veut dire que n'a pas besoin beaucoup plus de force et force à baguer notre façon pour nous jouer que par le recrutement de certains volontaires.